Salut, on se retrouve pour l'épisode 17. On va aujourd'hui battre le boss. Le boss du temple, qui est le temple de... c'est le temple de Kaola, donc j'imagine que c'est Kaola qu'on va battre. Alors, je peux dire tout de suite, je suis malade. Du coup, j'ai pas trop parlé, je serais pas trop investigué, mais c'est pas grave. On va le faire quand même, j'y arriverai. On s'était retrouvé là parce que le boss nous avait démonté puisqu'on n'avait pas de munitions. On va essayer d'y aller tranquille au début. Ça faisait longtemps. Oh putain. Ok. Ok, tout ça se passe plutôt bien pour l'instant, en réalité. Oh putain, oh putain. Allez. Faites un coup de 1. Le problème c'est que je sais pas s'il est où. Lève-toi, lève-toi. Ah, si après alors, je peux l'éviter juste en courant, ça me va. Ok, ça c'est relou, j'imagine. Oui, c'est relou. Ouais, alors, ouais, faut que j'évite d'aller dans l'eau. Ah, mais il faut que je tue des tentacules, j'avais pas compris. My bad. Pas besoin de recharger pour l'instant, ça va, c'est cool. Ok, ça s'énerve. Hop là. On va prendre la munition tout de suite avant que je l'oublie. C'est la dernière, alors on va se repréparer. Hop, on recharge, on se met bien. Alors par contre, ouais. Alors. Cours, cours, cours! Ah bah merci, j'avais vu que t'étais dans la merde, mon ref. Tiens. Il va sortir de l'eau derrière moi. Ok, ça se passe bien. Il va se passer un truc là. Ok, alors j'aurais pas cru, mais... Ah putain, merde! Dommage, j'en avais bien avancé sur sa vie. Bah, alors, par contre, j'ai l'impression qu'il se fait assez facilement. Hein. Enfin, facilement, c'est peut-être un grand mot, peut-être qu'il y a une deuxième phase. Mais pour l'instant, c'est pas... C'est loin d'être le plus difficile qu'on a battu, je trouve. On va le faire, on va réussir. On va peut-être commencer QF dès le départ là avant de rentrer. Hop, ah ouais, Q, F, merde, F il est pas activé. F. Hop là je l'évite. Puis les gars, dégâts. Là je run, il va spawn derrière moi. Merde, je le vois pas. Oh putain. Ah putain, sérieux? On n'est pas encore en tentacule pourtant. Ok, là je peux lui faire quelques dégâts. Ok, on va recharger. Alors là, ça avance niveau tentacule, ok. Alors je me vois plus. Lui j'avais pas vu. Alors là c'est la merde. Autour de lui. Hop.
J'ai pas rechargé. Et on recharge, il va réapparaître quelque part devant moi. Putain, trop tôt. Faut que je me barre en fait, faut que je me barre très très vite une fois que j'ai fait les tentacules. Ça se fait large. Après, rien n'empêche de faire un petit... Allez, vous savez ce qu'on va faire, on va faire un petit tour à la zone 13, là, je sais plus quoi. Réception 13, service 13. Voilà. On va aller améliorer nos petites armes, là, en 2 spi. Et puis voilà. On va améliorer nos armes. Genre la mitraillette, quoi. C'est grosso modo, c'est ça, quand je dis améliorer nos armes, c'est vraiment la mitraillette. Donc, on va aller voir notre gigareuf. On aime tant. Que puis-je faire pour vous? Ah, c'est très bien ce que tu peux faire pour moi. Alors. Je peux pas regarder comment. Bon. Oh bah oui, voilà, vas-y. Fais-toi plaise. Améliorer une arme standard au niveau 10, un petit succès là. C'est bien. Et pourquoi pas améliorer lui, tiens, tant qu'à faire. Voilà, il dit combien? Je bouge pas d'ici. Et elle, c'était quoi? J'aime bien faire un petit tour en entier comme ça. C'est bon, je viens jamais te voir. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est cette dinguerie? 42 points. Bouclier cubique. Génère un bouclier cubique qui absorbe jusqu'à 500 dégâts. Ouais, c'est un... Lame spectrale, arme au corps à corps. Oh, oh la dingue. Je réfléchis. Ça c'est. Lance une grenade de. À chaud strap. Ouais, non. Ouais. Non, flemme de faire des trucs comme ça. Cependant, est-ce que on n'achèterait pas. Des améliorations. Ok, après je parle. Ah, mais c'est toi? Avec toutes ces rumeurs, je croyais que je te reverrais jamais. Ouais, pendant un moment, rien non plus. Ils ont dit qu'avec. Ouais, ça, je m'en fous. Tu veux. Avant d'arriver. J'ai l'impression qu'ici, tout pourrait être vrai. Ils ont même soigné. Ouais. Eh, si ça se trouve, c'était du Fulton's Blade. Ah, je. Mais elle vendait pas des trucs? Ah. Alors, Alliance de l'imposture. Après avoir fait une glissade, vous gagnez 15% de vitesse d'esquive. 30% de vitesse de déplacement. Ça, c'est... en vrai, c'est bas, ce serait pas mal. C'est quoi ça? Lorsque vous. Santé tombe sous les 30% pour les dégâts subis. Tous les dégâts subis sont. Ouais, mais ça, on de trickshot, donc ça sert à rien. Pire déguisement. Lorsque vous saquez une ennemie affectée par saignement, vos chances de coup critique. Ouais, bon. Tu m'en dois toujours deux. Ouais, c'est cela. Je vais t'en vouloir. Alors, qu'est-ce que vous demandez, vous? Je sais plus. Ah, oh! Pierre acide, augmente les dégâts d'acide de 10% et résistance d'acide 15%. Poudre feu. Anneau usé de l'amiral. Tous les dégâts subis sont augmentés de 200%. Augmente tous les dégâts infligés de 10%. Quoi? Alors je me fais one shot quoi, mais je fais plus de dégâts. C'est ça? L'anneau du chat noir. Lorsque vous subissez un dégât en principe mortel, au lieu de mourir, vous tombez à 1 de votre santé. Et votre vitesse de déplacement augmente de 25% pendant 10 secondes. Oh, c'est pété, ça! C'est une dinguerie, ça! Un bon tuyau. Lorsqu'elle est lancée, explose dans un rayon de 4,2 mètres, inflige 337 de dégâts et applique saignement. Ça aussi, c'est pas mal. Est-ce que je prendrais pas des bombes? Allez, j'en prends deux, histoire de dire. Ouais, il y a plein de trucs que je peux vendre aussi. Genre le turbo cube là. Gardez la tête sur les épaules. Et toi, qu'est-ce que tu me vends? Hey, pas touche à mon rag, quoi? Alors. Tu vends des trucs, lui, non? Hop, il y a que trois. T'appelles. Non. Il m'a parlé. Eh bien. Ah, voilà. Eau de racine. Régénère 0,75 de santé par seconde. Durée 60 minutes et persiste après la mort. Ça, c'est pas mal. Extrait d'écorce, augmente l'armure de 30% de durée. Ça, c'est pas mal, hein.
Pendant une heure, je gagne 75 de santé par seconde. J'adore sa tête. Mais après, est-ce que j'ai envie de tout claquer maintenant, là? Qu'est-ce que c'est? Attendez. Moi, je peux monter là. Et juste game design, c'est excellent. Sinon... Bon, j'ai trouvé à quoi ça sert. De toute façon, là-dedans, je peux rien prendre. Genre, y'a rien par terre, truc comme ça. Je pense pas. Sûrement du game design en mode regardez, vous pouvez passer par au-dessus. Excellent! Ah bah c'est fou que ça. Bon, on y retourne. Je veux juste que je mette. Non, je vais le faire après, une fois que j'y suis retourné. Faudrait que je mette les bombes dans mon inventaire, dans mon ma barre d'action. Je vais les mettre. De toute façon, il n'y a plus rien dans ma barre d'action. Je vais le mettre n'importe où je veux. Ça sert à rien. Si je mets 2, c'est au-dessus de ma touche pour avancer. Peut-être pas dégueu. Non, je suis là. Alors. Comment je fais? C'est où que je change ces machins-là? Là, j'ai une nouvelle pierre. Augmente le nombre de reliques de 2. Après avoir utilisé le bon, vous obtenez un bouclier équivalent à 10%. La raison de santé est 30% d'après que votre santé basse. En vrai, ça c'est osé parce que j'utilise toujours l'inverse. Merde, il est où là. Ça augmente le nombre de reliques de 2. Oh eh, ça avance ça. Et du coup, où est-ce que je change mes trucs d'inventaire rapide? Eh, je suis sûr que je peux le faire, je le sais en plus que je peux le faire. Engramme requis. Ça, ce serait pas mal, peut-être. Je suis pas de prêt, hein, non? Ah merde, comment je fais? Là, si je mettais 2. Ouais, mais là, je peux pas. Ça perd, statistique détaillée. Oh. Mais non, attendez, mais comment je fais? Ah, équipé. Cible des effets de plus réaction. Ok. Là, je m'en fous. Son augmente la distance d'esquive et la glissade de 15%, réduit la consommation d'énergie. Là, je vais l'équiper en 2. Là, je vais l'équiper en 3. Ok. Ah ok, je peux me heal à 100% deux fois, ok, c'est ça. Bon. U, F, et on y va. Ok, là, il s'enfuit. Enfin, il... Merde. Ok, donc là on arrive au tentacule. Une. Deux. Elle m'attaque. Et deux, trois. On a quatre. Donc ça c'est la dernière. Ah oh, putain, sérieux. Mais oui, mais... Oh putain, mais... C'est... Je peux pas. Il spawn directement et... Bon, alors là, c'est la bouche, je peux peut-être retourner et du coup il spawn. Mais non, en fait, c'est... Vu que j'ai Escape, vu que j'ai Escape, putain, Esquive, vu que j'ai fait une Esquive,
Je me suis retrouvé dans sa hitbox de spawn. Okay. J'aimerais bien que ça aille plus vite, ça. Pas le moment de paniquer. Alors ça c'est con, ça. J'ai l'impression qu'il a des attaques un peu ciblées. Et je tourne autour de lui, genre j'ai l'impression qu'il va pas forcément... Voilà, alors ça... Ok. Un petit coup de 1 là. Oui, tire pas, il a pas tiré. Bonne ça. Ok. Ok. Pour l'instant ça va. On sort plutôt pas trop mal. Ah, il m'a touché. Tentacule. Oh putain, là elles sont plus fortes. Putain, mais oui, mes munitions. J'ai récupéré un peu celles que j'ai laissé tomber un peu partout, du coup. Alors là, j'en ai quelques-unes. Ah putain, c'est. Elle fouette. Alors, j'ai essayé de l'esquiver. Hein. Petit 1 là. Ok, alors ça, c'est la merde. Putain, mais recharge! Putain. Alors, ça, c'est des conneries, ça. Ouais, alors, non, cours. Cours. Et un. Ok, je suis full life, lui ça. Lui il est un peu triste. Ok, bah vous voyez, tranquillou. Tranquille. Franchement, en vrai ultra propre. Tu savais pas à qui t'avais affaire, hein. Je suis assez content. Ah, je suis assez content. En plus on a terminé assez vite là. Ah là. Ah franchement, sympa le boss. J'ai bien aimé. Un petit peu... Bon, un petit peu quoi. Non franchement, j'ai bien aimé. Juste, il spawn, genre, tentacule, il spawn, il t'attaque direct. Oh. Mais il faut juste courir, tourner autour de lui. Let's go. Franchement, excellent, j'ai bien aimé. Allez, c'est parti. Du coup, j'imagine qu'on a fini ce monde. Non, je sais pas. Je sais pas trop en vrai. Je devais être super concentré, j'ai pas dû beaucoup parler pendant le combat, je sais pas. En vrai, je ne sais pas du tout. Oh, c'est super joli, dites-moi. Oh, les grands arbres. Alors. Un petit point de... Un petit caillou, là, ça me met très bien. Pas mentir. Mais c'est... Attends. Ah, mais on est déjà passé ici. Mais oui. Et du coup ce qu'il faut faire...
Non, on n'est jamais venu ici. Hein. Non, voilà. Donc allons-y, mais doucement, quoi. J'aimerais bien un petit caillou, là, quand même. Alors, vous n'êtes plus mes... Vous n'êtes plus du tout mon Némésis. Léo. Léo, si j'y crois pas. Ça rentrera jamais. Ah, on est plein petites armes. Oh là-bas, il y a un truc. Là. Charge. Je savais jamais où quoi. Mais Léo, oh, c'est pas sympa ça. Ils sont beaucoup en plus, c'est en vrai. Enfin, je vais pas mourir là quand même, c'est quand même con. Il faut vraiment un mon cristal monde là que je puisse me régénérer. Vestige d'espoir. Qu'est-ce qu'il me fait celui-là? Pierre d'éclat. Prêt. Personnage. Pierre d'espoir. Après 7 secondes sans avoir subi de dégâts, vos dégâts au corps à corps et à distance sont augmentés de 10%. Oh! Après combien de temps? Après 7 secondes. Ça peut être intéressant si jamais ça se maintient tant qu'on n'a pas subi de dégâts. C'est quoi ça, un fiche des coups fatales augmentés dégâts? C'est quoi ça? Ah oui, en soi, celui-là, on s'en fout. Celui-là, on s'en fout, on peut mettre celui-là qui est en vrai. Voilà. Ça s'ouvre pas, ça? Alors, ça s'ouvre, mais pas de la façon dont je pensais. On va recharger. Cristal monde, là? Non? Je voulais pas, hein. Hop là. Heureusement que j'ai regardé la map. Ça, je sais toujours pas ce que c'est, une consommation d'énergie, des trucs là. Je ne sais pas ce que c'est, je vois pas l'utilité, ça peut être cool. Ça peut être absolument abominable. Qu'est-ce que c'est ce machin? Oh, pourquoi ils arrivent autant? Oh, y'a un gros là. Bon. Y'en a un autre. Ça a pris. Bon. Ah ah. Bon, ça me refait de quelques. Oh putain, non, ça me refait pas du tout de munitions. Je suis dans le caca. Et moi je veux bien une pierre monde là, sérieux. Il est sympa un peu. Give me a pierre monde. Give me a stone world. Ah, mais j'ai un point de prêt, let's go. Robuste. Hop là. Ça part. C'était ça, hein. Santé. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. C'est. Robuste, c'est pas le bon truc. Pas d'invocation. Je sais pas comment on fait des invocations. Non mais, dites-moi qu'il y a une petite pierre monde là, je sais pas, dites-moi quelque chose. Parlez-moi. Là, ça fait un petit peu loin, quoi. Pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué. Et y a vraiment aucune pierre monde, c'est dinguerie, ça. Oh, c'est pas le même celui-là. Il y en a derrière moi.
J'ai l'impression que quand ils crient, ils appellent les autres. Ah, putain. Ah, alors ça, ça appuie par contre. Je vais récupérer mes munitions, vite. Il y en a un gros, mais je sais pas il est où. Bon. Oh oui, d'accord. Bon. Ça va, ça s'est plutôt bien passé. Je commence à récupérer plein de petites pierres, là, de tablettes, chez vous. Ça c'est super, mais toi. T'as quoi tomber ça? Moi je me connais, hein. Je me connais. Oh, hop là, c'est quoi ça? Je peux aller? Non. On doit plus cacher un truc. On sait jamais. Oh, mais ça, c'est sûr que je vais marcher là, non? Je marche pas là où j'ai montré, un peu déçu, ça avait l'air cool, on dirait un petit labyrinthe avec des cailloux là. Non pas que je sois fan des labyrinthes, hein, attention. On ne défend pas ce que je dis. Putain, je l'avais pas vu. Et où? Ah là. Pas par au-dessus, mais c'est dommage. Dommage pour eux, tant pis pour eux. Pas tout ce qu'il faut, là, une petite pierre monde. Oh là, champion Poutz! Il était temps que ça s'arrête, hein. Ah bah enfin! Et là, du coup, je connais toujours rien. Mais putain, mais c'est pas possible. Ah, munitions. Il y a une petite musique, là. Un solo de trompette, là. Oh là là. Oh là, vous m'en direz des nouvelles. Donc là, c'est joli, hein. Je peux tirer dessus, mais c'est joli. Donc je vais éviter. Ouais, y'a un mec là-bas. Mec là, c'est ici. Fais-moi ça. C'est notre trompette là. Mais non, joue! Paxultec, le voilà! C'est moi! Ami Paxultec, le revoilà! Ah, c'est un flûtiste. Je n'ai jamais vu ici. Mais bien sûr que si. Il y a longtemps, nous avons partagé chansons et... Oh, mais bien sûr, ce n'est pas le même Paxultec. Eh bah super. Pardonnez-moi. Super. Les cornes. Celui-là n'a pas de cornes. Une nouvelle amitié, alors. Non. Qu'est-ce qu'il amène sur notre Yaecha en détresse? Vraiment? Putain, ça veut dire que c'était alors, pas lui? Le Paxultec suit le chemin qui lui est destiné. L'ancien temple a été construit pour emprisonner cette bête. Désormais, il s'agit de son antre. Hélas, la grande harpe d'eau, dont les récits ouvraient autrefois les portes du temple, a été brisée il y a bien des éons. Sans Allez, son chant, il ne reste pas le moindre espoir. Mais prenez garde, ami Paxultec, car le ravageur a déjà été tué par le passé. Il n'y a rien de plus puissant au monde que ce qui peut balayer le voile de la mort comme une feuille morte. Écoutez le vent, ami Paxultec. C'est-à-dire que c'était pas le monstre qu'on vient de tuer, Merde. C'est haut. Il y a de l'eau en dessous. Mais je m'y tenterai pas. Aidez-moi, une pierre-mont, là, ça fait 30 km que je marche. C'est ça l'arbre qu'il disait?
Ouais, sérieux, j'ai... En fait, j'aimerais bien sauvegarder, genre. Ça va forcément servir à quelque chose. Oh non, pas des énigmes. Et moi, tout ce que je veux, c'est un petit montant, non. Un petit jeu dans un ballon. Ah ! Let's go ! Enfin ! Lui, c'est quoi ce machin-là? Oh, un truc qui me donne de la vie. Je l'ai pas retrouvé depuis des années. On dépasse. Oh, allez, on verra ça plus tard. Eh ben, allez, on prend ça. Non, je reste au même endroit. Et du coup, on se dit à la prochaine, on va essayer de faire sûrement la harpe de l'eau. Moi, je vous dis à la prochaine, sur la prochaine vidéo, qui sera du coup le 18. Abonnez-vous, commentez, partagez, et bisous bisous.